بسم الله الرحمن الرحيم شيخ بلغان. Parmi les grands objectifs de ton pèlerinage, c'est de s'orner, de s'embellir, d'acquérir les meilleurs des comportements. Et en réalité, le hajj, c'est une madrasa. Le pèlerinage, c'est une école par laquelle tu vas apprendre à te comporter de la meilleure manière et à patienter sur tes frères et sur tes sœurs. Allah Azza wa Jalil dit « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ » Quant à celui qui souhaite accomplir le pèlerinage, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ Lorsque tu décides d'accomplir le pèlerinage, alors point de rapport, point de perversité, point de dispute durant le pèlerinage. Et nous avons déjà évoqué le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Celui qui accomplit le pèlerinage pour Allah, sans en s'abstenant de commettre des turpitudes ou des obscénités, raja'aka yawmi waladatuhu ummuh, reviendra comme au jour où sa mère l'a enfanté. » Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était au hajj, qu'est-ce qu'il disait aux compagnons ? « Ya ayyuhan nas, as-sakina, as-sakina, ô vous les gens, calmement, calmement. » De même, il dit à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu an, « Innaka rajulun qawi, tu es un homme fort. » Donc attention, il lui a recommandé.